Deux choses. La première, ne vous jugez pas là où vous en êtes parce qu'il y a la courbe du changement qui est une phase de deuil. Donc on doit faire le deuil de ce vieux monde, de ce monde-là qu'on nous a vendu, du fameux « tu travailleras bien à l'école et tu auras une barrière, un bon job avec une maison en banlieue, avec une barrière blanche et quatre enfants et un chien ». Là, ça ne va pas être possible, on le sait. Donc maintenant, il faut faire ce deuil de ce récit qu'on nous a vendu. C'est pas évident, mais on passe par plein de phases. La première, c'est le déni, donc tous les climato-sceptiques sont peut-être restés bloqués là. La colère, donc c'est normal d'avoir peur d'être en colère, la tristesse aussi, l'éco-anxiété. Et après, il y a la phase d'acceptation, d'action et d'aller vers l'avant. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore vers là, mais il n'y a aucun souci, vous allez y arriver et laissez-vous un petit peu de temps, même si on est dans une urgence, vous ne jugez pas. Et la deuxième, c'est se poser la question du sens. Il n'y a pas une seule bonne manière d'être activiste, il y a des milliards de manières de faire. Moi, il se trouve que je sais plutôt bien parler, pour une raison inconnue, et donc c'est ce que j'utilise. On m'ouvre des portes des grands dirigeants, alors je le fais, mais c'est pas du tout, s'il y avait que des gens comme moi, on n'avancera rien. On a besoin de gens derrière qui vont concrètement mettre la main à la terre pour faire de l'agriculture raisonnée, biologique, de paysans qui vont, enfin de boulangers qui vont faire du pain avec les paysans du coin, de nouvelles écoles, d'artistes. On a besoin d'une nouvelle société, donc il y a la place pour tout le monde, c'est complexe. Donc osez vous poser la question du sens, sincèrement. Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui vraiment vous fait vibrer? Et une fois que vous avez trouvé ça, alors ça fait peur de se la poser, c'est pas facile, mais une fois qu'on le sait, utilisez ça pour faire avancer les choses et au service de cette société de demain. Donc allez-y, faites le saut dans le vide et ça va aller, je vous promets.